Salut les amis. Comme beaucoup de monde, je lis et j'écoute les avis de chroniqueurs sur la toile pour découvrir de nouveaux albums. Grâce à eux, je tombe parfois sur des trésors insoupçonnables dont je ne parle pas forcément ici. Le rythme d'une vidéo par semaine ne me permet plus de tout relayer. Et pourquoi le faire d'ailleurs, puisque d'autres s'en sont chargés et très bien. Mais tout règlement comporte des exceptions, sinon ça ne serait pas drôle. Et une fois n'est pas coutume, je vais rebondir sur la chronique d'Alias publiée le 22 février dernier, celle d'Epigone, du groupe Wilderun. Alors je connaissais déjà ce groupe, grâce encore une fois à ses soins, mais j'avais manqué la sortie de leur quatrième album chez Mascot Records. En regardant la superbe pochette de Kim Kiver, je pourrais me lancer dans une nef analyse exhaustive. Cirrus, Cumulonimbus, Panus, Cumulus Fractus, Altocumulus Castellanus, il y en a pour tous les goûts dans ce ciel chaotique. Pourtant, il n'est assurément pas question de météorologie dans cet album. Epigone signifie le successeur. Ne m'en demandez pas plus, je n'ai pas encore exploré les textes. Le disque de 66 minutes et 40 secondes contient 9 morceaux ainsi qu'une reprise de Radiohead, celle de Everything in its Right Place tirée de leur album Kid A sorti en l'an 2000. De l'acoustique qui côtoie du growl, du métal qui joue à l'expérimental, du jazz à la manière progressive et un dosage entre gros poutrage symphonique et dentelle acoustique qui frise la perfection. Le second titre de l'album reflète bien cette profusion de styles, tout à la fois symphonique, métal, acoustique, jazzy, lyrique, cinématique et expérimental, pendant pas loin d'un quart d'heure. Un savant assemblage qui semble complètement naturel lorsqu'on l'écoute. Un peu Akken, un peu Porcupine Tree, un peu Dream Theater, Wilderun possède toutefois une patte unique dans la mouvance métal progressif. Une qualité rare pour un genre musical assez sclérosé depuis quelques années. Mais rassurez-vous, Wilderun, c'est également les droits au but, comme dans Passenger, un titre métal progressif à chant clair et growl, avec des chœurs et quelques envolées symphoniques. Oui, je sais. Dit comme ça, ça peut sembler un titre complexe. Surtout avec ses 10 minutes. Bon. Il est vrai aussi qu'avec des pistes instrumentales comme Ambition ou Distraction Nulla, à la frontière du cinématique et de l'expérimental, certains pourraient prendre peur. Pour ma part, je trouve ces interludes terrifiants et géniaux à la fois, tout particulièrement le dernier. Tout ça pour dire que Wilderun est un groupe incroyable et que Epigone va rejoindre la liste des albums qui seront probablement sur mon podium 2022, à côté de Metanoia de Perséphone. Il se pourrait que cette année soit très métal. Allez, promis, la semaine prochaine, je vous propose tout autre chose. Un groupe de métal progressif allemand, par exemple ? Ciao !